Bienvenue à Théma TV. Moi, je m'appelle Youssouf. Aujourd'hui, je vais vous présenter le journal. Je pense qu'on va passer une belle journée et on va bien s'amuser, je crois. Drone des Sims, c'est que des photographies aériennes. Elles sont toutes faites avec un drone, pas très haut en général. Mais il n'y a pas d'appareil photo à la main. Je pense que le support papier pour la photo, ça reste primordial. Ça revient beaucoup à la mode, mais d'autant plus sur des clichés comme ça de paysages. J'avais envie de sortir ça de la carte SD, de sortir ça des cartons et de le partager avec les gens du coin. Pourquoi avez-vous choisi la photo à l'aérien ? Le drone, c'est qu'un appareil photo qui vole. Et en même temps, ça permet aussi d'attraper des regards différents tout en essayant de garder un esprit photographique dans le sens cadrage en fait. Finalement, le but, c'est pas d'être le plus haut possible ou le plus loin possible, c'est d'essayer de construire un peu les images et de le partager parce que c'est vrai que la photo, c'est le meilleur, je trouve que c'est le meilleur support même par rapport à la vidéo. Parce qu'on la garde, elle ne s'altère pas, on peut la regarder sur plusieurs angles. Les gens font plusieurs fois le tour pour regarder à nouveau, il y a des choses qui les interpellent. C'est un peu ce que je cherchais aussi. Et pour une première, en tout cas, je suis ravi de la réaction des gens, leur curiosité par rapport au cliché. Voilà, les horaires, c'est 13h-19h, c'est à l'Atrium, donc c'est à la mairie. On va vous présenter la météo. Aujourd'hui, on est à Digne-les-Bains et aujourd'hui, la météo, elle est trop bien. Il y a du soleil, on entend les criquets, les oiseaux et tout. On retourne au prochain reportage de Théma TV. Qu'est-ce que le CDAD ? Alors c'est le Conseil départemental de l'accès au droit. Ça a pour but de donner des informations juridiques à toute personne, quels que soient ses revenus, tout est gratuit. On oriente vers les structures spécialisées comme le CIDFF, la MAV, la DIL, ou alors on a aussi des bons de consultation pour les notaires, les avocats ou les commissaires de justice. Ça permet, si vous voulez, que toute personne puisse avoir accès à ses droits, à ses devoirs, et qu'il n'y ait pas un non-recours à l'accès au droit. Parlez-moi de votre animation. Alors le but de l'animation qu'on a proposée au quartier d'été, c'est de faire découvrir le droit aux jeunes de 14 à 25 ans, de leur proposer des animations pendant l'été, et aussi sous couvert de jeux comme les idées reçues ou le Cluedo, de leur proposer différentes animations, toujours en lien avec le droit. J'interviens au pigeonnier parce que c'est là où effectivement j'ai le plus de personnes que je reçois en permanence et c'est aussi là où je touche le moins de jeunes. Donc je trouve ça important, de 14 à 25 ans, de connaître ses droits ou de découvrir les métiers du droit, c'est important pour ceux qui passent le bac par exemple, qui veulent découvrir certains métiers du droit. Si vous souhaitez découvrir le CDAD lors des quartiers d'été, vous pouvez venir tous les lundis de 16h à 19h à partir du 7 août, je serai présent jusqu'au 31 août. Vous pouvez trouver Théma TV sur YouTube et Facebook. Au revoir.